son stylo. Ça tourne ou pas? Oui. Ah, cool. Ça va assez long. Ça roule. Quoi? Ça roule. C'est une bleue, une verte, c'est une verte. Jolie. On va montrer ce que tu as eu hier aussi, ce qu'hier tu n'as pas filmé. J'ai eu ça hier. Ouais. Bill Ball. Ouais. Il est beau celui-ci. Ah, ça. Ça se complète, hein. Je sais pas si on va avoir assez de place à force. Ouais, justement. J'ai un du monde sur le plateau. Attends, tu peux allumer la lumière, s'il te plaît. Le 7, bah vas-y. T'as rien? Oh, t'as rien? C'est horrible. Ah. Tu vois? C'est un bracelet, ouais. C'est un bracelet. Il est joli. Il est rose. Ouais. Hop. On fera plus tard si tu veux. D'accord, parce que là, pour faire. Ok, dans la voiture. Allez, à toi. C'est bon, vas-y. Alors, le 7. Là. Oh. C'est moi. C'est une bague. Oui, c'est une bague. Une grosse bague qui est là. Oui, ça peut aller en plastique. C'est pas oui, bien. C'est pas grave. Je n'ai pas pour aller à l'école. D'accord. Quoi? Tu veux de la perle ou... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 7 décembre. Il fait encore un grand soleil, mais il fait beaucoup moins froid. Ça s'est bien réchauffé. Ce matin, qui est-ce qui a ouvert son calendrier? Oui, donc vous avez vu mon grand qui a ouvert son calendrier. Vous avez vu ce qu'il a eu hier aussi, parce que je n'avais pas filmé hier soir. Et les filles aussi ont eu le temps d'ouvrir leur calendrier avant de partir. Il me restera les deux petits, là pour l'instant ils sont en train de jouer. Mon fils de 4 ans n'est pas allé à l'école ce matin, ils ont cours que 2 heures en fait le mercredi matin. Et là il est fatigué à force de tousser, ça fait 2 mois qu'il tousse, c'est horrible. Donc là je l'ai gardé à la maison ce matin, hier j'ai changé de sirop. Et je lui ai pris aussi un spray à mettre dans la gorge et dans le nez. Et je pense que ça a débloqué quelque chose parce que ce matin la toux est différente, elle est grasse au lieu d'être sèche. Donc je pense qu'il est en train de passer sur autre chose. Et ce matin ou hier soir, je ne sais plus, il s'est plaint d'avoir mal d'un seul coup à l'oreille. Donc il y a peut-être une otite. Mais on verra ça vendredi soir, parce que je n'ai pu avoir en rendez-vous que vendredi soir. Donc on verra ça à ce moment-là. C'est une vraie galère, les médecins. Toujours. Il y a des moments où on en trouve un facilement. Et d'autres moments où il faut attendre une semaine avant d'avoir un médecin. Donc là, c'est le cas. J'ai le rendez-vous depuis lundi matin, mais j'ai regardé s'il y en avait d'autres qui se libèrent entre temps. Mais il n'y en a pas, donc on devra attendre. Bon, il n'a pas de fièvre, il n'a rien à part la toux, donc c'est quand même fatigant. Et ce matin, en plus, à l'école, ils devaient chanter, parce qu'ils ont leur mini-spectacle de 11h à midi. Donc ils allaient devoir chanter toute la matinée pour se préparer. Sachant que la chanson, il ne la connaît pas par cœur, parce que il a été beaucoup, beaucoup malade ces dernières semaines, donc il connaît juste quelques bouts. Donc franchement, ça l'aurait en plus beaucoup embêté de chanter alors qu'il a mal à la gorge. Donc je l'ai gardé à la maison comme ça. Il peut se reposer ce matin. Donc ils ouvriront leur calendrier tout à l'heure. Jusque-là, ils n'y ont pas pensé. Et moi, je vais ouvrir le mien. Donc on a dit qu'on était le 7. De toute façon, c'est plus zoomé que d'habitude. Je sais pas. Alors le 7, je vois le 8. Ah, il est là le 7. Les sensations réconfortantes du doux parfum d'amande. Alors ils ont beaucoup de choses à l'amande cette année pour cette fin d'année dans leurs produits. Alors qu'est-ce que c'est? Amande lactée, bain douche. Ok, donc c'est un gel douche quoi. 50 ml à l'amande, on va voir ce que ça sent. Alors ce qui est dommage, c'est que dans leur mini flacon, en fait, ils ne s'ouvrent pas par une ouverture facile. Il faut carrément tout dévisser. C'est un peu dommage.
Ouais, ça sent bon. Ça fait penser à un autre. À un autre parfum de d'Yves Rocher d'il y a quelques années. Il y a 4-5 ans, j'avais eu un coffret qui sentait la pomme rouge. Et là, honnêtement, ça sent un petit peu le même parfum. Sauf que là, c'est censé être à l'amande. Ça sent très bon. De toute façon, tout ce qui est à l'amande, j'aime. Donc ça sent très bon. Par contre, c'est pas pratique. Vous prenez votre gel douche comme ça pour le verser. Enfin, vous aurez forcément trop de produit qui va venir. Donc je trouve ça un peu dommage quand ils font des mini, des petits formats. En tout cas, ça sent bon. Ça va être vite parti, hein, parce que j'ai le douche à la maison. Ça part très très vite. Ou alors je le garderai peut-être pour si on part en week-end. Je sais pas. Je verrai. Je verrai, je verrai. Si quelqu'un a envie de l'utiliser, il le pourra. Je vais garder ça. Et je vais remettre la boîte. Je trouve plus joli quand il a toutes ses boîtes. Je remets. Et voilà. On est le 7. On est le 7, c'est ça? Ouais, ici. Pas ça. Mais si, allez, vas-y. Attends, Maddy, triche pas. Hein. Qu'est-ce que tu auras? Je vais t'ouvrir aussi. Vas-y, elle va t'ouvrir. Elle va juste l'ouvrir. Elle te l'ouvre juste. Elle te le sort pas, t'inquiète pas. Attends, Maddy, s'il te plaît. Tu refermes directement. T'as raison, c'est bien. Allez, vas-y. Prends l'en sécher. Alors, montre-moi. Oh, ça veut dire. Ouais, c'est un dinosaure. Tu le poses ici pour qu'on voit. Mets-le, pose-le. Et regarde, regarde la couleur. Mets-le, pose-le, s'il te plaît. Juste pour le montrer dans la vidéo. Tu peux, s'il te plaît? Voilà. Et lui, il doit être phosphorescent aussi, comme l'autre, normalement. Si on le laisse suffisamment à la lumière, il sera phosphorescent la nuit. C'est un vrai dinosaure. Il est trop mignon. T'as vu? Il est trop mignon, ton dinosaure. Oui, tu peux le prendre. Tu peux aller jouer avec, si tu veux. Alors, monsieur. Il est où, le 7? Le 7. Vas-y. Bravo. Ah! Attends. Il est où le trou? Là. Aïe, il m'a mordu. Désolée. Pas toi. Oh là, t'es en train de tout casser tous, maman. Oh là là. Quel sauvage. Oui, moi j'ai vu. Vous le connaissez? Moi j'ai vu des Pokémon. Mais en fait, c'est un chien. Nous, c'est à lui, Marie. C'est un chien qui jouait et c'est un Pokémon éclair. Et comment il s'appelle? Chihuahua. Il s'appelle Chihuahua. D'accord. Et pas celui. Ah oui, c'est le même sur la photo là. Et tu as lui. Tu as eu lui, lui et lui. Ouais. Et Voli et lui, tu les as pas eu. Sûrement plus tard. Ah, ne t'appuie pas sur les cases. Pikachu, lui. Oui, c'est vrai qu'on a toujours pas eu Pikachu. Toujours pas eu lui, lui. On les aura peut-être bientôt. Et voilà, vous pouvez aller les ranger. Ça va être bientôt. Après, il y aura des grosses cases, t'as vu? Regarde là, ce sera une grosse, grosse case. Mais je suis pas sûre que ce soit un Pokémon, je trouve que ça aura été juste une décoration. Oui, parce qu'un Pokémon de cette taille, ça se peut pas. Non, on le met pas par terre, faut le ranger dans l'étagère. Je crois que Pikachu, c'est la case 24. Non, c'est pas, peut-être. On va t'aider à le mettre là-haut. Et le 20, je pense que c'est aussi que c'est une décoration. Je sais pas, on verra. Il n'y a pas de place pour un Pokémon. Hop, on va le reposer là-haut. Bon bah, puisque je suis installée et que je vous avais dit, je vous donne, on parlerait cadeau pour les filles aujourd'hui. Je vais le faire maintenant, je vous le mettrai à la fin de la vidéo après tous les calendriers, mais je vais le faire maintenant pour moi pendant que les garçons sont calmes et que les filles ne sont pas encore rentrées. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais bon, normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous me connaissez déjà. Donc, j'ai deux filles, une qui aura bientôt 8 ans, juste après Noël, et une qui aura 10 ans à la fin de l'hiver. Donc, on va dire qu'elles ont 8 et 10 ans. Et elles ont des centres d'intérêt très, très, très similaires depuis toujours. Et c'est vrai qu'aux approches, à l'approche des fêtes, quand je leur demande de faire leur liste de Noël, c'est souvent la même chose qui est dessus. Il y en a toujours une qui copie sur l'autre, en général.
Et cette année, elles n'étaient pas spécialement longues. Une de mes filles a demandé une tablette. Alors, c'est pas la première fois qu'elle en demande une. Hein. Elle l'a demandé à son anniversaire. Elle l'a demandé déjà au Noël dernier. Et je crois qu'elle l'avait demandé à son anniversaire précédent. Et bon, on lui dit toujours la même chose. Hein. Pour la tablette, notre fils aîné ne l'a eu que à ses 10 ans. Donc, au plus tôt, elle n'aura qu'à partir de 10 ans, pas avant. Et encore, ça dépendra d'autres choses. Qu'est-ce qu'elle a demandé d'autre? Elles ont demandé aussi, donc en plus d'une tablette, elle voulait un lecteur MP3, elle voulait un micro, parce que jusque-là, elles ont un micro, elles ont le micro Kidistar, je crois, qui est un micro relié donc, à une base avec une boule à facettes, la musique et tout ça, c'est sur pied. Et elles souhaitent un micro qui est détachable, enfin qui est détaché. Donc voilà, je sais que mon autre fille avait demandé, voulait aussi, qu'est-ce qu'elle voulait, un tapis de danse. L'année dernière déjà, elle voulait un Tamagotchi, elles l'ont remis sur leur liste. Ma fille de 8 ans souhaite la montre VTech Kidizoom. Et bien sûr, pour aller avec, elle veut le téléphone Kidizoom, bien sûr. Alors VTech, j'aime beaucoup cette marque. Hein. C'est vrai que tout ce qui dit quelque chose, c'est vraiment de très bonne qualité. Ma fille de 10 ans a son appareil photo qui dit zoom depuis là, je sais, 2 ans. Donc il a presque 8 ans et il marche nickel, il n'a jamais eu aucun problème. Même le micro qui dit Star, elles l'ont depuis 4 ans, je crois. Peut-être même 5 ans. Et il fonctionne toujours très très bien. Là, un instant. Bon, j'ai été coupée, j'ai reçu un appel. Mon fils finit plus tôt, donc ça va être la course pour récupérer tout le monde à 11h. Donc je disais, tout ce qui dit quelque chose de VTech, c'est vraiment de très bonne qualité, donc c'est pas ça le problème, c'est plus le fait qu'elle demande plein de choses électroniques en fait. Et ce que je remarque, c'est que tous les ans, elle demande des choses, mais en fait, elle joue pas avec finalement. Donc c'est un petit peu dommage, donc c'est pour ça que je ne suis pas leur liste, parce que je sais très bien que si on leur achète ce qu'elles demandent, elles ne joueront pas avec, ça sera vraiment juste, elles auront plaisir le fait d'ouvrir le cadeau, mais après, ça va passer à la trappe. Qu'est-ce qu'elles avaient demandé d'autre? Alors je sais que la plus jeune de 8 ans a demandé aussi encore des licornes, alors qu'elle en a déjà une qu'elle avait eue il y a 2-3 ans à Noël, et elle s'en est même racheté une elle-même avec son propre argent la semaine dernière. Qu'est-ce qu'elles ont demandé d'autre? Ça fait déjà pas mal, hein. Ah oui, ma fille de 8 ans a demandé des rollers, alors qu'à Noël dernier, elle a déjà eu des patins à roulettes. Qu'est-ce qu'elles ont demandé d'autre? L'année dernière, elles avaient demandé aussi un skateboard. Enfin, toutes des choses comme ça. J'essaie de me souvenir en même temps. Elles ont demandé du maquillage aussi. Alors qu'elles savent qu'elles n'en auront pas. Hein. Elles ont déjà le calendrier de l'avant, c'est déjà un gros effort de ma part. Je crois qu'elles ont demandé aussi des boucles d'oreilles, je crois. Donc des petites choses comme ça. Donc vous voyez un petit peu l'état d'esprit dans lequel elles sont et leurs souhaits. Ah oui, une de mes filles aussi a demandé aussi, la plus grande a demandé des... je sais pas comment ça s'appelle, de la marque Pledo. Tout ce qui est matériel pour refaire la pâte au modelé, pour faire des glaces ou des choses comme ça, une espèce de cuisine Play-Doh. Donc ça, je sais qu'elle a demandé ça. Et la plus jeune avait demandé aussi quelque chose. Ça ressemble à les Aquabits. Vous savez, les perles qu'il faut assembler entre elles et après on pchit avec de l'eau pour que ça tienne. Et là, je crois que ça s'appelle Aqua Gel ou un truc comme ça. Ou donc là, c'est des petites billes aussi qu'on assemble. Mais je crois que cette fois, ça fait, c'est du gel et quand on le met dans l'eau, ça prend une forme en 3D. Je crois que c'est ça. Donc elles ont demandé ça, enfin la plus jeune a demandé ça aussi. Voilà, donc ça c'est les petites choses qu'elles avaient marquées dans leur liste. Et en plus de ça, je peux vous donner quelques idées. Par exemple, pour ma fille de 10 ans, elle adore cuisiner. Moi je déteste ça et c'est vrai qu'elle me demande très souvent de cuisiner avec moi et c'est vrai que ça me rebute beaucoup parce que déjà je n'aime pas cuisiner avec moi-même. Je n'aime pas cuisiner avec quelqu'un d'autre.
et de devoir surveiller, dire comment il faut faire et tout. Et en plus, elle a tendance à aller trop vite et ne pas m'écouter. Donc c'est vrai que c'est un sujet délicat, mais elle adore ça. Et donc je me suis dit qu'il fallait pas que je la freine juste parce que moi je n'aime pas ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai commandé un couteau. Je crois que c'est de la marque Chef Club. Ils font plein de petits trucs autour de la cuisine pour les enfants. Et là, c'est un couteau qui coupe les légumes, mais qui ne coupe pas les doigts si jamais elle met son doigt dessous. Donc, c'est protecteur. J'ai vu que dans la même gamme, ils avaient un livre de recettes spécialement pour les enfants à faire avec un adulte. Donc, des recettes faciles. La marque Chef Club, on le trouve facilement sur Amazon. Il y a forcément des livres. Il y en a plein des livres, que ce soit des petits romans. Il y a tout, s'ils sont plus jeunes, tout ce qui est la série Mes premières lectures. Je crois que c'est aux éditions Nathan. Il y a Samy et Julie aussi, qui sont un petit peu dans le style Montessori, qui est vraiment très très bien. Il y a la série Les Sisters, qu'elles aiment beaucoup. Il y a la série Lou aussi. Enfin, il y en a vraiment énormément de BD pour les jeunes filles. Vraiment, il y en a énormément. Si vous ne savez pas quoi prendre, vous allez soit dans une librairie, soit dans une bibliothèque pour avoir quelques idées. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sinon, on peut aussi leur offrir des bijoux. Si elles ont les oreilles percées, une petite boucle d'oreille, c'est joli. Un petit pendentif. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Dans les loisirs créatifs, c'est pareil, il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a les moules en plâtre. Je crois que c'est la marque Mako Moulage, qui a manqué disparaître, mais qui est toujours vivante. Elle avait été rachetée, je crois que c'est une entreprise française. Vous avez un moule en silicone, vous remplissez de plâtre, vous le laissez quelques heures, le temps que ça durcisse. Après, vous le démoulez et vous pouvez le peindre. Moi, je sais que j'en ai eu quand j'étais enfant avec les personnages de Tintin. Et j'avais beaucoup aimé. Et là, ma fille, la plus jeune, avait vu ça il y a déjà quelques mois, quelques semaines. Et du coup, elle l'avait remis sur sa liste. Et ça, elle va l'avoir pour le coup. Parce que je sais plus par contre sur quel thème. Je sais, les sirènes ou les princesses, je sais plus, mais on va en avoir un. Et ça, c'est vrai qu'après, vous avez juste à racheter le plâtre, vous en faites. Et ils peuvent les peindre autant qu'ils veulent. Donc ça, c'est cool. Après, en termes de jeux vidéo, il y en a plein aussi. C'est vrai que pendant le confinement, elles avaient beaucoup joué à Animal Crossing. Là, elles sont sur les Pokémon, toutes les deux. Elles ont joué au Pokémon Arceus il y a quelques semaines, quelques mois. Et là, ils ont commencé à jouer à Pokémon Écarlate ou Violette, je sais plus. Un des deux. Elles aiment beaucoup aussi, c'est pas du tout le même genre, mais elles aiment beaucoup les Pokémon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Sinon, en termes de jeux vidéo, c'est toujours Mario Kart hein, qui est indétrônable pour jouer à plusieurs, c'est vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait. Ah oui, après, par rapport à la liste qu'elles avaient demandé, tablette, téléphone, MP3, j'ai vu qu'il existait justement de la marque VTech, le Kidi Advance et le Kidi Max. Ce sont deux téléphones portables, mais pour enfants. Donc vous avez des petites applications. Et du coup, ça leur permet à la fois de s'envoyer des messages entre elles si elles en ont deux. Je crois que ça utilise le Wi-Fi. Elles peuvent l'utiliser pour regarder des dessins animés, elles peuvent l'utiliser, il y a des mini-jeux, et surtout il y a un MP3 installé dedans, du coup vous pouvez leur mettre de la musique, donc ça fait tout ce qu'elles voulaient en un seul appareil. Ça j'ai vu qu'en plus sur l'appli Leclerc, il y a une grosse réduction de 40 euros sur la carte Leclerc, mais c'est pas sur le plus récent, je crois que c'est sur l'ancien. Bon, c'est déjà pas mal, hein, parce que honnêtement, sur les deux, j'ai pas vu quelle était la différence. À part le nombre d'applications, mais ça, je pense qu'avec une mise à jour, ça peut être modifiable. Après, qu'est-ce qu'on peut leur offrir à cet âge-là? Tout ce qui est Barbie, Playmobil, Lego City, tout ça, c'est franchement, c'est top. J'en aurais pas pris parce que pour le coup, elles en ont déjà. Il y a déjà 2-3 ans, je leur avais acheté plein de Barbie. J'avais eu un gros lot sur Vinted. Et finalement, elles jouent très peu avec. Donc, c'est pas la peine d'aller dans ce sens-là. Les Playmobil, elles ont pas mal. Les garçons jouent avec les plus petits. Donc, elles jouent avec aussi de temps en temps. Tout ce qui est. Ah oui, les Pet Shop. Alors, ça, c'est un intemporel. Elles en ont eu quelques-uns il y a 2-3 ans.
Et régulièrement, elles ont donc soit un petit, une nouvelle petite maison, soit un nouveau pet shop. Et des fois, c'est oublié. Et puis, de temps en temps, les garçons, les plus petits vont jouer avec et elles vont retourner jouer avec. Donc, ça, c'est quelque chose avec elles, avec lesquelles elles continuent de jouer. Donc, ça, c'est chouette parce qu'en plus, ça prend pas beaucoup de place dans un gros, dans une grosse boîte et on les ressort quand on veut. Après, si vos enfants n'ont pas de vélo, à cet âge-là, le vélo, c'est top. Bon, les nôtres, elles ont déjà leur vélo depuis 2 ans, donc. Et là, honnêtement, on ne peut pas en faire ici, donc c'est un peu dommage, mais ils sont dans le garage, donc ça, on n'a pas besoin d'en racheter. Le roller, on ne va pas lui en acheter parce qu'elle a déjà des patins à rouler, donc c'est déjà très bien. On va attendre qu'il soit trop petit, peut-être dans 1 an ou dans 2 ans pour changer. À ce moment-là, peut-être qu'elle passera sur des rollers. Donc voilà, c'était pour vous donner des petites idées entre ce qu'elles ont souhaité et moi, ce que j'ai trouvé de mon côté. Donc voilà les petites idées. Et concernant ça, je vais vous mettre en haut en barre et en barre d'infos aussi ma vidéo de l'année dernière sur les idées cadeaux. Parce que pour le coup, je crois qu'elles étaient. C'était différent. Je me souviens plus ce qu'elles ont eu l'année dernière à Noël. Mais dans mon souvenir, c'était assez varié. Et donc voilà. Donc je pense que les idées pour aujourd'hui, enfin, honnêtement, elles en avaient tellement que j'ai pas eu besoin de. De chercher pour elle. Après, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées parce que pour le coup, j'ai pas leur liste sous la main et je sais plus où est-ce qu'elle est, étant donné que j'ai déjà fait les cadeaux depuis un petit moment. Mais si d'ici ce soir, je m'en souviens ou si je retrouve des choses, je referai la vidéo et je ferai une petite mise à jour. Et donc voilà. Cet après-midi, ça va être une après-midi tranquillou. On a encore plein de livres à la maison, donc on va pas aller à la bibliothèque aujourd'hui. Donc je pense qu'on va faire un petit gâteau au chocolat, on va sortir les pop-corns et on va se regarder un petit film de Noël tous ensemble. Ça peut être sympa. Voilà. Mais normalement, vous aurez déjà vu tout l'ouverture de tous les calendriers. Oui, je crois que normalement, je peux clôturer cette vidéo ici. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you.